m'appelle Camille, je suis étudiante en BTS Tourisme et je vais être votre guide pour la journée. Dialogue contradictoire sur le fait qu'on n'a peut-être pas. C'est la naturalisation, ils sont en train de. Bah, ils donnent la nationalité française à des gens. Et c'est une journée très forte, puisque du coup ça marque mon entrée à la nationalité française. Être français, c'est pas juste être né en France. On peut aussi venir d'ailleurs et appartenir à la même culture. Donc aujourd'hui, il faut se rendre compte que voilà, être français, c'est aussi une question de culture et non pas forcément de naissance sur un territoire. Sont importantes pour nous pour aller à la rencontre des jeunes. Hein, l'objectif étant de recruter ces jeunes en tant que soit sapeurs-pompiers volontaires ou soit sapeurs-pompiers professionnels. Car ces jeunes sont l'avenir des secours en Vendée. Seuls 12 n'ont pas eu de mort à déplorer et n'ont donc pas de monument. Alors dans le cadre de Vendée Civisme, hein, nous avons été sollicités par le conseil pour venir expliquer un petit peu ce qu'est la gendarmerie. Hein. Organisée autour de 5 fonctions stratégiques, donc vous allez les rappeler, on les a vues. La première fonction stratégique, c'était quoi? Donc ces gens-là, ces pompiers volontaires, comme tout à l'heure, là, c'est des gens qui, après leur travail, ici, c'est la place du président du conseil départemental. Vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez tous levé le doigt en disant. J'ai eu pas mal de grands discours sur les qualités de la France et tout ça, ce qui est bien en France, les valeurs, etc. C'est intéressant, ça nous apprend d'autres métiers. On a un message à faire passer. Après, comment sera-t-il reçu? Nous verrons. Mais oui, c'est une belle initiative vendéenne, d'ailleurs, au passage. On en est heureux. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudra refaire, poursuivre en tout cas.